Au début, la gestion de la Covid, moi j'avais une totale confiance dans les autorités. En plus, bon, Jérôme Salomon avait été mon élève, c'est un gars sérieux, qui aime bien les procédures, tout soit carré. Donc moi j'ai dit, bon, ça va être géré très bien. Et puis moi j'étais plus aux affaires, donc, parce que moi j'ai quand même géré pas mal d'épidémies, même de pandémies avec le gouvernement pendant des années. Donc j'ai l'expérience de la gestion de ces crises. Bon, moi je me dis, bon, à la Direction Générale de la Santé, tout ça, ils savent faire, j'avais pas trop d'inquiétude. Puis après, quand j'ai vu que ça déraillait dans tous les sens sur les masques, les tests, les traitements, le refus de traiter, je dis, mais là on est en plein délire. Et puis c'est pas une erreur, excusez-nous, là on n'a pas bien prévu, on corrige le tir. C'est, on continue de s'enfoncer, on continue de mentir et on continue sans arrêt depuis des mois. Je me dis, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé à parler dans les médias dès le début. Nous, on sait, puisqu'on étudie aussi les maladies anciennes, la peste de 1720 à Marseille, voilà, qui a quand même marqué l'histoire de Marseille. Mais les médecins soignaient à cette époque. On n'a pas confiné les gens sains. On a confiné les gens malades. Ça, par contre, hein, moi, je suis pour le confinement. On est malade, c'est mieux de rester à la maison. C'est évident. Mais même à la peste, sous Louis XIV, les médecins ont soigné. Et là aussi, ils avaient des résultats. Parce que quand on a de la fièvre, si on hydrate, ben on passe le cap. Donc on a soigné, ça sauve des vies.